Vous pouvez vous débarrasser facilement des traces de calcaire dans votre salle de bain grâce aux techniques suivantes. Toutes utilisent des produits naturels que vous n'aurez aucun mal à trouver, et ce, à moindre coût. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications. Cling, clang, cling, cling, cling. Afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors sans plus tarder, c'est parti. Retirez le calcaire de la salle de bain avec des produits tels que le bicarbonate de soude et le jus de citron. Ceci peut être une bonne alternative lorsque nous n'avons pas de produits de nettoyage habituels ou que nous voulons essayer de nouvelles formules. La salle de bain est l'une des zones de la maison qui se salit le plus facilement. Elle est en effet en contact permanent avec l'eau et n'a pas la même capacité de ventilation que le reste des pièces. De plus, sa saleté s'intensifie lorsque le calcaire apparaît, l'ennemi des robinets, des douches et des cloisons. Certaines personnes aiment avoir leur salle de bain propre, éclatante. Si tel est votre cas, prenez note des conseils que nous vous donnerons pour éliminer le calcaire de la salle de bain avec quelques produits naturels. Mais d'abord, voyons ce qu'est le calcaire et ce qui cause le calcaire. Qu'est-ce qui cause le tartre? Le tartre est constitué d'accumulations de calcium qui provoquent des taches dans les différents éléments de votre salle de bain. L'eau qui sort du robinet de la salle de bain contient plusieurs minéraux tels que le fer et le magnésium. En plus du calcium submentionné, ceux-ci sont souvent éclaboussés et accumulés sur ces surfaces. C'est ainsi que sont générées ces taches blanches ou jaunâtres qui inondent souvent les salles de bain. La rouille que nous pouvons observer dans certaines zones de la salle de bain est une autre conséquence de l'accumulation des minéraux de l'eau. Lorsque le fer de l'eau entre en contact avec l'air, il s'oxyde et laisse des traces. Recette naturelle pour éliminer le calcaire de la salle de bain. Bien que cela semble incroyable, vous pouvez utiliser une canette de boisson de type cola si vous vous apprêtez à éliminer le calcaire de la cuvette avec cette technique. Suivez les instructions suivantes. Tirez la chasse d'eau afin que l'eau soit le plus propre possible. Versez le contenu de la canette sur la cuvette, puis laissez agir pendant une demi-heure. De cette manière, les composants de la boisson dissoudront facilement la saleté accumulée. Nettoyez à l'aide d'une brosse spéciale WC, puis tirez la chasse d'eau de temps à autre jusqu'à ce que l'eau devienne blanche. Gardez à l'esprit que, puisque ce produit contient une grande quantité de sucre, bien qu'il aide à nettoyer, il laisse également les zones collantes. Par conséquent, il est recommandé de le nettoyer à nouveau après utilisation avec d'autres produits de nettoyage. Maintenir son intérieur propre n'est pas simple, mais moins vous laissez passer le temps et plus sera simple. Utilisez cette technique pour éliminer le calcaire de la salle de bain et ensuite vous n'aurez qu'à consacrer un peu de votre temps tous les jours pour maintenir cette pièce sèche et sans bactéries, sans humidité, sans moisissure. Et vous utiliserez vos salles de bain toujours avec plaisir. Et vous n'aurez pas de gêne quand vos invités utiliseront vos salles de bain. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos comme ceci qui vont vous aider à prendre soin de votre bien-être au 100% naturel, likez cette vidéo, commentez-la, partagez avec la famille, les amis, sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Et aussi, dites-moi le nom du pays depuis lequel vous me regardez dans les commentaires afin que je vienne laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.